Frères et sœurs, camarades, peuple d'Afrique, peuple du monde, l'heure est grave. L'heure est grave et c'est terrible. Avant de commencer, je vous demande de partager la vidéo, de mettre des j'aime et de mettre des likes. J'espère que vous allez bien. L'amalgame qui est créé là, c'est par les alliés, les complices de ce coup d'État qui a été déjoué. L'heure est grave. Et on va expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis quelques jours, ils ont commencé une communication de diversion à gauche pour que les gens frappent à droite. On nous fait croire que il y a eu des tirs, des coups de feu, comment dirais-je, dans les camps militaires. Tout ça, c'est de la diversion. Parce qu'ils voulaient frapper. Ils voulaient frapper, mais grâce à la vigilance, vraiment à la vigilance du peuple burkinabé, grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité républicaines et patriotiques, ces officiers veulent, corrompus, ont été mis aux arrêts. Et certains ont fui. Et sont actuellement en Côte d'Ivoire. Selon un journal international, il y a deux officiers, il y en a qui ont fui, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous lis ça tout à l'heure. C'est important. Alors, frères burkinabés, sœurs burkinabés, restez vigilants. Comme je vous l'ai dit, le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas encore mort. Ils veulent frapper. Quelles sont ces personnes qui ont été arrêtées au Burkina Faso parce qu'ils ont voulu faire un coup d'État? Je vais vous citer ici ces officiers supérieurs. Il y a le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. L'individu a été nommé à ce poste par le capitaine Ibrahim Traoré en janvier 2023. Il y a également le commandant Boubacar Keïta, de l'USEPC. Il y a également le commandant Abdoul Karim Aouba, des forces spéciales qui a été mis aux arrêts. Il y a le capitaine Christophe Maïga, commandant en second de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Et tous ont été mis aux arrêts. Vous l'avez vu? C'est des officiers supérieurs qui avaient décidé de mettre le Burkina en retard. Qui avaient décidé de mettre un coup de frein à la dynamique qui est en marche aujourd'hui, avec des prétextes fallacieux. Des prétextes fallacieux. Dites-moi, comment aujourd'hui l'armée burkinabé est armée suréquipée? Est-ce qu'il n'y a pas une transparence au niveau du gouvernemental, au niveau de la gérance? Si, il y en a. Mais ces personnes en complicité avec des impérialistes ont décidé de mettre un coup de frein à la dynamique qui est en marche au Burkina Faso. Souvenez-vous, frères et sœurs burkinabés, il y a de cela quelques mois, je ne vais pas dire un mois, le gouvernement du Burkina a fait un communiqué le 31 août 2023. Ce communiqué, c'est là que le gouvernement a commencé à voir clair. Parce que le gouvernement burkinabé a un puissant service de renseignement également. Actuellement, ça ne joue pas. Mais il y a des puissances étrangères là, qui sont en train de travailler pour la protection du Burkina. Le présentant qui va venir faire un coup d'état au Burkina n'est pas encore né. Et il va diriger où même? Lui qui va se lever, voulant faire coup d'état au Burkina, qui va diriger quel pays? Le Burkina, là, tu ne peux pas diriger. Tu as passé par où? Non, tu ne peux pas. En 2023, ce qui est arrivé à Thomas Isidore Sankara n'arrivera pas, Inch'Allah, au président Ibrahim Traoré. Parce que le peuple est debout, le monde est debout. Tu ne peux pas gouverner. À la seconde, là, ça sera étouffé dans l'œuf propre et clair. Propre et clair, et sans embâche, et sans, comment dirais-je, sans se froisser. Le premier qui va se lever, qui va vouloir faire un coup d'état au Burkina, sera le sacrifice de sa famille. Parce que, un, il ne pourra pas, et deux, il sera mis hors d'état de lui. Le communiqué est le suivant. Communiqué. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, et de la sécurité, et de la sécurité informe l'opinion que depuis un certain temps, des sources concordantes font état de la présence sur le territoire national d'individus au dessein malveillant, dont certains de nationalité étrangère. Ces sinistres individus, en intelligence avec des complices nationaux, ont pour objectif de déstabiliser la transition en cours et de semer le chaos au Burkina Faso. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité met en garde les auteurs de ce projet funeste
et leur soutien nationaux. Vous avez entendu? Ok. Il rassure l'opinion nationale que des dispositions sont prises pour traiter cette menace avec la plus grande fermeté. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité invite les populations des villes et campagnes à une vigilance accrue et à dénoncer toute personne ayant un comportement suspect au service de sécurité à travers les numéros suivants. Le 1010, le 16 et le 17. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que toute personne qui hébergerait des individus habités par de tels desseins sans les dénoncer se rendra coupable de complicité et sera traité conformément aux dispositions y relatives. Signé Émile Zerbo, chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Frères et sœurs, on était ici le 31 août quand les autorités compétentes burkinabées alertaient que le Burkina, il y avait des personnes qui étaient rentrées au Burkina et qui leur faisaient un coup d'état en complicité avec des individus. C'est ce coup d'état qui parlait. Et ce n'est pas qu'on terminé, parce que depuis ce temps-là, la traque, elle est rude. La traque, elle est démise. Il faut saluer la vigilance des services compétents du Burkina Faso. Parce que c'est quand même incroyable. Le Burkina est dans une nouvelle dynamique, une nouvelle donne. Le cap est bon. En train de traquer, n'est-ce pas, les terroristes. C'est en ce moment-là que les ennemis du Burkina Faso décident de vouloir mettre un frein à cette dynamique-là. Et mieux, le tribunal militaire a fait un communiqué pour confirmer que des individus ont été mis aux arrêts. Et on va ici lire le communiqué du tribunal militaire qui vient ici conforter le propos du gouvernement. Communiqué du parquet militaire, tribunal militaire de Ouagadougou. Le parquet près du tribunal militaire de Ouagadougou informe l'opinion nationale que ce jour 27 septembre 2023, sur la base de dénonciations dignes de foi, faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État en cours et mettant en cause des officiers, dont deux en fuite, et quatre individus interpellés et mis à sa disposition, il a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés. Le parquet militaire rassure que les investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l'enquête viendra à révéler. Au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à venir témoigner. Fait à Ouagadougou le 27 septembre 2023. Signé Ahmed Ferdinand, magistrat militaire. Frères et sœurs, le tribunal militaire vient de confirmer que des officiers ont été arrêtés et deux sont en fuite. Les deux qui sont en fuite là, nous apprenons que les deux sont en Côte d'Ivoire. On va ici aller lire le journal que vous connaissez, Jeune Afrique, qui nous dit ceci. Dans sa parution d'hier, ils disent que des gendarmes, vous savez qu'il y a des gendarmes qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Et donc, le titre du journal, c'est « Gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso, comment Traoré veut faire pression sur Ouattara ?» Ils disent ici quoi? Dans une partie, ils disent quoi? Ils disent ceci. Dans une partie, ils disent ceci. Ils disent selon nos au Burkina Faso, qui sont les hommes du capitaine Ibrahim Traoré? Selon nos informations, c'est Jeune Afrique qui parle. Selon nos informations, les autorités ivoiriennes ont donc entamé des discussions informelles avec Ouagadougou afin d'obtenir leur libération. La libération des deux gendarmes qui ont été arrêtés. Sauf que les sécurocrates burkinabés tentent de politiser le dossier en réclamant l'arrestation et l'extradition de politiques et de militaires susceptibles de complot contre le capitaine Ibrahim Traoré et qui seraient en Côte d'Ivoire depuis le 10 septembre. Chers frères,
Ce complot-là, c'est un complot depuis longtemps. Vous avez vu, le journal vient de confirmer que il y a des personnes qui sont aujourd'hui, que selon leurs informations, le régime du président Ibrahim Traoré demande au régime d'Alassane Ouattara de faire un échange, n'est-ce pas, de personnes. C'est-à-dire que les deux gendarmes qui ont été arrêtés au Burkina, les échanger avec ceux qui ont voulu faire coup d'État au Burkina parce qu'ils sont aujourd'hui en fuite. Puisque le coup d'État, là, c'est une ramification, c'est des officiers. Et parmi ces personnes-là, il y a certains qui ont été débarqués, qui étaient au service des renseignements tout autour. Ils travaillaient en intelligence avec des puissances étrangères. Comme l'a dit le communiqué du gouvernement, datant du 31 août 2023, vous avertissant que des individus ont pu rentrer, sont entrés en Côte d'Ivoire et ont infiltré le Burkina et sont venus passer à l'acte en complicité avec des nationaux. C'est le coup d'État à qui il parlait. Ayant eu vent de cela, certains ont été débarqués et ont préféré fuir. Ils ont préféré fuir et se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le journal vient de confirmer. Que selon les informations, le pouvoir au Burkina veut échanger les deux gendarmes là contre qui? Contre ceux qui ont voulu faire coup d'État et qui ont fui, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Et quand nous disons que ceux qui ont voulu faire coup d'État au Burkina Faso là, certains ont fui en Côte d'Ivoire, le journal Jeune Afrique vient de confirmer. Et donc, vous voyez qu'il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire serve de base arrière. Quand souvent certains Burkinabés se lèvent et puis se plaignent, c'est ça. Parce que des individus en toute intelligence avec Burkinabé, en intelligence avec des puissances étrangères. À chaque fois, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui sort dedans. On ne va pas attendre le Bénin, on ne va pas attendre le Togo, on ne va pas attendre le Ghana, on ne va pas attendre, comment dirais-je, le Libéria. Chaque fois, c'est la Côte d'Ivoire. Voici ça. Le journal est là. Allez-y acheter, vous allez lire. Alors, peuple du Burkina, vous devez rester vigilant. Parce que les capitaines ont fait une rectification afin de pouvoir suivre votre aspiration et d'être dans votre vision. Mais les impérialistes n'ont pas accepté et n'acceptent pas votre souveraineté. Ils veulent mettre un frein et ils veulent utiliser certains de vos enfants. Alors, il faut leur dire à ceux qui ont cette velléité, qui ont cette pensée, qu'ils ne pourront pas diriger ce Burkina de 2023. C'est terminé. Ils ne pourront pas. Et tous ceux qui ont des informations doivent se rapprocher des autorités compétentes et les dénoncer. Le Burkina ne peut pas aller en arrière. Le Burkina doit avancer. Alors, il faut étouffer dans l'œuvre tous ces bandits, tous ces impies, tous ces ennemis du Burkina qui veulent mettre ce pays à genoux. La patrie ou la mort nous vaincront. Partagez, mettez les noms. Il a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés. Le parquet militaire rassure que les investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l'enquête viendra à révéler. Au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à venir témoigner. Fait à Ouagadougou le 27 septembre 2023. Signé Ahmed Ferdinand, magistrat militaire. Frères et sœurs, le tribunal militaire vient de confirmer que des officiers ont été arrêtés et deux sont en fuite. Les deux qui sont en fuite là, nous apprenons que les deux sont en Côte d'Ivoire. On va ici aller lire le journal que vous connaissez, Jeune Afrique, qui nous dit ceci. Dans sa parution d'hier, ils disent que des gendarmes, vous savez qu'il y a des gendarmes qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Et donc, le titre du journal, c'est « Gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso, comment Traoré veut faire pression sur Ouattara ?» Ils disent ici quoi? Dans une partie, ils disent quoi? Ils disent ceci. Dans une partie, ils disent ceci, ils disent... Selon nos au Burkina Faso, qui sont les hommes du capitaine Ibrahim Traoré? Selon nos informations, c'est Jeune Afrique qui parle. Selon nos informations, les autorités ivoiriennes ont donc entamé des discussions informelles à la Ouagadougou afin d'obtenir leur libération. La libération des deux gendarmes qui ont été arrêtés. Sauf que les sécurocrates burkinabés tentent de politiser le dossier en réclamant l'arrestation et l'extradition de politiques et de militaires susceptibles de complot contre le capitaine Ibrahim Traoré.
et qui serait en Côte d'Ivoire depuis le 10 septembre. Chers frères, ce complot-là, c'est un complot depuis longtemps. Vous avez vu, le journal vient de confirmer que il y a des personnes qui sont aujourd'hui, que selon les informations, le régime du président Ibrahim Traoré demande au régime d'Alassane Ouattara de faire un échange, n'est-ce pas, de personnes. C'est-à-dire que les deux gendarmes qui ont été arrêtés au Burkina, les échanger avec ceux qui ont voulu faire coup d'État au Burkina parce qu'ils sont aujourd'hui en fuite. Puisque le coup d'État, là, c'est une ramification, c'est des officiers. Et parmi ces personnes-là, il y a certains qui ont été débarqués, qui étaient au service des renseignements tout autour. Ils travaillaient en intelligence avec des puissances étrangères. Comme l'a dit le communiqué du gouvernement, datant du 31 août 2023, vous avertissant que des individus ont pu rentrer, sont rentrés en Côte d'Ivoire et ont infiltré le Burkina et sont venus passer à l'acte en complicité avec des nationaux. C'est le coup d'État à qui il parlait. Ayant eu vent de cela, certains ont été débarqués et ont préféré fuir. Ils ont préféré fuir et se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le journal vient de confirmer. Que selon les informations, le pouvoir au Burkina veut échanger les deux gendarmes là contre qui? Contre ceux qui ont voulu faire coup d'État et qui ont fui, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Et quand nous disons que ceux qui ont voulu faire coup d'État au Burkina Faso là, c'est quand on fuit sur en Côte d'Ivoire, le journal Jeune Afrique vient de confirmer. Et donc, vous voyez qu'il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire serve de base arrière. Quand souvent le certain Burkinabé se lève et puis se plaignent, c'est ça. Parce que des individus en toute intelligence avec Burkinabé, en intelligence avec des puissances étrangères. À chaque fois, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui sort dedans. On ne va pas attendre le Bénin, on ne va pas attendre le Togo, on ne va pas attendre le Ghana, on ne va pas attendre, comment dirais-je, le Libéria. Chaque fois, c'est la Côte d'Ivoire. Voici ça. Le journal est là. Allez acheter, vous allez lire. Alors, peuple du Burkina, vous devez rester vigilant. Parce que les capitaines ont fait une rectification afin de pouvoir suivre votre aspiration et d'être dans votre vision. Mais les impérialistes n'ont pas accepté et n'acceptent pas votre souveraineté. Ils veulent mettre un frein. Et ils veulent utiliser certains de vos enfants.